le président de l'association Médecins Algérie ou Medical Scientific Association, Suleyman Meza, marhaba Bonsoir, Bselkhair. Merci Mohamed. Et merci Voilà, Naïm. je me présente aussi, c'est Mohamed Belayati, le vice-président de Médecins Algérie. Bon, pour certains, ils me connaissent, j'anime souvent les lives de Médecins. Alors, je ne sais pas si on a reçu quelques personnes pour l'instant ou pas. Je pense qu'on peut commencer. Ben, super. Alors, dites-nous, Souleymane, en ce temps de confinement, en ce temps d'incertitude, on va dire, mais on est bien protégé à la maison, quelles sont les différentes opportunités que ce confinement nous offre? Donc, je vais pas parler de, en fait, de toutes les opportunités, mais je vais prendre particulièrement une qui est l'opportunité de se former, d'améliorer ses connaissances, développer ses compétences et peut-être pour profiter de cette occasion du temps qu'on a à la maison. C'est plusieurs heures tous les jours où on doit être confiné. Pour ceux qui ne travaillent pas ou là, qui n'étudient pas, donc la plupart ils sont à la maison toute la journée. Et donc, une des meilleures choses qu'on peut faire, c'est prendre ce temps pour se former, pour développer ses connaissances, pour améliorer ses compétences. Et pour cela, il y a aujourd'hui, grâce à Internet principalement, beaucoup d'opportunités d'apprentissage et de développement sur Internet. Et donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. D'accord, en fait, merci. Je tiens à préciser à l'audience que vous pouvez poser vos questions. Il y aura plusieurs points à aborder sur ce webinaire-là et vous pouvez poser vos questions sur la fenêtre chat de Zoom. Donc, nous allons les aborder un par un à la fin de En fait, ils chaque. sont sur Facebook. Hein. Ah, ils sont sur Facebook. Voilà, donc des commentaires qui sont sur Facebook. Voilà, je me trompe. Sinon, alors, on aborde la première question. Dites-nous, Suleyman. Quelles sont les différentes plateformes que vous proposez voilà, à nous pour se former en ligne? Donc, en fait, concernant les plateformes ou les sites ou les applications qu'on peut utiliser pour se former, il y en a des centaines, voire des milliers. Mais aujourd'hui, vu qu'on s'adresse à une communauté du domaine de la santé, nous allons prendre quelques-unes en particulier. Ça ne sera pas les plateformes qui sont connues classiquement par les étudiants en médecine, telles que Osmosis, Dr Najib, Khan Academy, etc., où il y a des cours de médecine tels qu'on les connaît. Mais je parlerai d'autres plateformes telles que Coursera, EDX, Pluralsight, et surtout, et c'est celle dont on va parler le plus, c'est la plateforme MOOC de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Mais après, pour les plateformes, en fait, il suffit juste d'écrire sur Google quelles sont les plateformes d'apprentissage et on aura une grande liste à tous les goûts, à toutes les langues et dans plusieurs thématiques. Pour les plateformes, il y en a qui sont payantes, il y en a beaucoup qui sont payantes. Après, il y en a aussi beaucoup qui sont gratuites. Et en cette période de confinement, beaucoup de plateformes ont rajouté du contenu gratuit ou ont mis du contenu qui était payant en mode gratuit. Et donc ça, justement, ça c'est une occasion pour nous d'apprendre et de se développer. Je vais vous montrer à peu près à quoi ressemblent les plateformes. Je vais partager mon écran. Voilà, c'est parti, il est partagé. OK. Donc là, je suis sur la page d'accueil de openwho.org. Donc, c'est la plateforme de MOOC de l'OMS. Et donc, dès qu'on rentre, on a les cours en face de nous.
Donc, les différentes formations, là, c'est les dernières qui ont été rajoutées, elles sont liées au COVID-19. Donc, il y a beaucoup de contenu que l'OMS a préparé pour cette crise du COVID-19. Après, on voit qu'il y en a en plusieurs langues. Donc, si on va dans ici, donc, show all the courses, ou montrer tous les cours, on peut changer la langue de la plateforme, on peut la mettre en français ici. Donc, on voit que on a une liste de cours sur le COVID-19 là, mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas que ça, il y a d'autres cours, là, d'autres formations qui ne sont pas forcément liées à l'épidémie du COVID-19. Et qui sont intéressants surtout pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Donc ici, je peux choisir les langues la langue de la formation que j'ai envie de chercher. Là, j'ai mis français, donc il y a beaucoup de choses en français, mais pas autant que l'anglais. En anglais, il y a beaucoup plus de contenu, que ce soit sur la plateforme de l'OMS ou dans d'autres plateformes. Mais globalement, je pense que cette période de confinement est aussi une opportunité pour apprendre l'anglais et pour développer son anglais. Et justement, sur Internet, on peut aussi trouver beaucoup d'opportunités d'apprentissage par rapport à la langue anglaise. Donc, je passe à une autre plateforme qui est Pluralsight. Donc, Pluralsight, c'est en fait une plateforme de formation où il n'y a pas forcément beaucoup de choses liées santé à la médecine, mais c'est plus par rapport au développement professionnel. On y trouve beaucoup de programmation pour ceux que ça pourrait intéresser, mais aussi des cours sur le management, l'organisation, la gestion et surtout les soft skills. Et en fait, d'habitude, Pluralsight est payant, mais avec l'épidémie du COVID-19, on a eu une offre qui est gratuite pour tout le mois d'avril. Donc, pour ceux qui veulent en profiter, c'est gratuit tout au long du mois d'avril. Il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai que c'est bien de se former dans son domaine, mais après, je sais qu'il y a des gens qui veulent s'ouvrir à d'autres disciplines, qui veulent s'ouvrir à d'autres formations et qui veulent juste le faire pour découvrir des choses et apprendre pour le plaisir. Donc, ça, c'est pour vous. Sinon, on a Coursera, donc c'est un peu un classique, mais après, c'est pas faux. Le truc avec Coursera, c'est qu'il y a tous les jours de nouvelles formations qui sont mises. Donc, sur Coursera, les formations ne sont développées par des universités ou des institutions. Donc, si je vais ici dans l'onglet Explore, j'ai les différentes thématiques. Donc, si je vais dans Health, dans Santé, je vais voir tout ce qui concerne la santé. On trouvera aussi qu'il y a un choix très diversifié par rapport aux formations. Et c'est, comme je vous ai dit, ces différentes universités. Par exemple, ici, on a Stanford, l'Université de Pennsylvanie, Sydney, c'est un peu partout dans le monde. Et c'est du contenu qui est de très, très bonne qualité. L'avantage avec Coursera, c'est que on a une expérience d'apprentissage complète. C'est pas juste on regarde une vidéo ou là des vidéos, mais ça alterne entre les vidéos, les lectures d'articles, la discussion, débat, exercices sous différents formats, etc. Donc c'est plutôt complet comme expérience d'apprentissage. Et donc, c'est pour ça que ça reste une des meilleures plateformes. Ici, surtout pour les étudiants en médecine, en pharmacie, médecine dentaire, on a un cours de physiologie qui est à la une, qui est assez intéressant. Et plein d'autres trucs, je ne vais pas parler des cours qu'il y a. Mais en tout cas, il y a de très, très belles choses et il y en a pour tout le monde. L'avantage avec Coursera, c'est que c'est l'accès aux cours gratuits. Donc, on peut consommer le contenu gratuitement. Et il faudra juste payer si on veut avoir un certificat. Et je pense que ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir un certificat dans ce genre de cas.
Une autre plateforme qui est EDX, qui est ici. Voilà, à titre d'exemple, si je peux m'intervenir. Oui, En Marie. fait, sur EDX, actuellement, je suis une formation qui est Mechanical Ventilation for COVID-19 et OK. qui parle de, justement des mesures de la ventilation artificielle. Voilà. Et je trouve que c'est super bien préparé par l'université Harvard. OK. Et à chaque fois, ils proposent des mises à jour. Alors, je te laisse présenter EDX. Ouais. Donc, EDX, c'est un peu le concurrent direct de Coursera. Donc, c'est aussi des universités, comme ici, on voit le MIT, Berkeley, Harvard, etc. Et c'est, bon, on a des universités très prestigieuses, surtout des universités américaines, mais on voit aussi l'université de Hong Kong. Oui, on en a aussi pour tous les domaines, tous les sujets. Surtout dans le côté médecine et santé, il y en a beaucoup. Donc, si on voit ici médecine, on trouvera beaucoup de cours qui sont aussi accessibles gratuitement. Et aussi, ça, c'est une expérience d'apprentissage complète. Donc, ce n'est pas juste la vidéo. C'est interactif. On parle avec des gens dans les différents forums de discussion des cours. On répond à des exercices, on passe des tests. Et donc, c'est payant juste quand on demande un certificat. Donc, par exemple, ici, on peut voir un cours sur les fondamentaux de la neuroscience de Harvard X, un peu de biochimie, quelque chose sur l'Ebola, une formation sur la médecine de catastrophe, le raisonnement clinique, etc. Donc, il y a des choses très spécialisées. Après, il y a d'autres thèmes, hein, genre l'informatique, l'économie, etc. Tout ce qu'on veut. Mais globalement, j'ai voulu les présenter, même si beaucoup de personnes les connaissent, mais ça reste vraiment des références dans le domaine. Donc voilà pour les patrons. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais revenir à Coursera, qui en ce moment est en train de proposer des formations certifiantes gratuites. Pour y accéder, en fait, c'est très simple. On voit ici en bas, on va au blog de Coursera. Et on trouve ici quand Free Online Training during COVID-19. Donc, formation gratuite du COVID-19. Et ici, on trouvera les différents thèmes. Donc, il y a la santé mentale, des cours pour les universitaires, des cours pour le développement professionnel, des cours sur la santé publique, des cours d'espagnol, tout ce qu'on veut. Et donc, ce qu'il y a ici en particulier est gratuit, mais aussi la certification sera gratuite. Je vous invite à explorer ça de votre côté par la suite. Voilà, vous l'avez compris, le confinement nous offre ces opportunités. Il y a des plateformes qui nous proposent de faire des formations gratuites et en plus à tester. Ça, c'est un luxe, Suleyman. Oui. Et en fait, je rappelle l'audience que vous pouvez poser vos questions. Nous les aborderons une à une, Inch'Allah. Alors, en fait, vous avez précisé au début que vous allez proposer des plateformes qui sont plus ou moins penchées sur le volet médical. Et vous avez parlé au début des soft skills. Une question à part, juste en bref, expliquez-nous c'est quoi les soft skills pour que l'audience se comprenne. Ouais, donc les soft skills, ce sont les compétences interpersonnelles principalement. Donc ce sont les compétences en fait qu'on ne va pas forcément apprendre dans des modules ou là dans des formations à l'université, mais ce sont des choses que classiquement on apprend au fur et à mesure. Et là, dans ces plateformes, on en trouvera beaucoup. Par exemple, la communication dans une équipe, le travail de groupe, Exactement. le leadership, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses comme ça, un peu subtiles. Il y a aussi la gestion des conflits dans le milieu professionnel, etc., etc.
D'accord, merci Souleymane. Alors, il faut quand même guetter ces plateformes-là Ouais. pour en profiter. Sinon, vous nous avez montré comment faire et maintenant, comment s'inscrire. Très bien. Donc, pour l'inscription, en fait, c'est très simple, hein. C'est juste que je vais préciser quelque chose que dans la plupart des plateformes, pour s'inscrire, il faut créer un compte dans la plateforme. Donc, je repartage mon écran. Donc, ici, par exemple, dans la plateforme de l'OMS, il suffit d'aller ici en haut dans Login et de cliquer ensuite sur Créer un nouveau compte. Ensuite, il y a un petit formulaire très simple, très facile à remplir. Donc, nom, prénom, adresse mail, mot de passe. Donc, c'est très facile. Ensuite, on s'inscrit, on doit confirmer l'adresse mail. Ensuite, on sera inscrit. Et donc, c'est la même chose pour toutes les plateformes. Il faut créer un compte. Quand on a un compte dans la plateforme, à ce moment-là, on pourra accéder aux différentes formations. Et à ce moment-là, il faudra s'inscrire aux différentes formations. Là, par exemple, ça, c'est une formation que j'ai ouverte tout à l'heure sur l'usage des EPI, donc les équipements de protection individuelle. Et pour m'inscrire dans cette formation, je vais cliquer ici sur Enroll me for this course. Et je vais switcher en français. Donc voilà, inscrivez-moi dans ce cours. Donc je clique et je suis inscrit. Donc directement, je peux cliquer ici, rejoindre le cours et je vais commencer à apprendre directement dans une vidéo. On met play. On commence à regarder la vidéo, donc c'est très simple. C'est la même chose pour les autres plateformes. Si on voit aussi Coursera, donc on va à l'accueil. Voilà, il y a ici Sign Up. Bon, il y a mon compte qui s'est ouvert, mais en tout cas, c'est très simple à faire l'inscription. En général, on ne demande pas plus que le nom, le prénom, l'adresse mail. Il faut pas grand-chose pour ça. Voilà, Mohamed. D'accord. Alors, c'est des identifiants, un mail, on est inscrit sur la plateforme, puis on enregistre, plutôt c'est en anglais, c'est enroll to course. Donc, on enregistre sur un cours et puis on suit. Alors, une question à part, quelle est Ouais. la durée moyenne d'une formation sur la plateforme OpenHOUT à l'OMS? Une Pardon, j'ai pas bien entendu la durée question. moyenne des formations? En fait, ça dépend, mais il y a des formations. Par exemple, celle que nous venons de voir là tout de suite sur les EPI, je pense qu'elle est très courte. Ça dure quelques minutes. On voit qu'il n'y a que deux modules. Après, il y en a qui durent 2 heures, 1 heure et demie. Après, il y en a qui sont plus consistantes, peut-être plus détaillées, qui peuvent durer jusqu'à 10 heures. Il y en a même 20 heures de formation. Donc, ça dépend vraiment des cours. C'est la même chose un peu ailleurs. Dans Coursera EDX, la moyenne est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que peut-être les cours sont divisés en semaines. Et donc, pour chaque semaine, on aura plusieurs heures. Il y a même des formations à 12 semaines. Donc, c'est des formations qui sont assez C'est complètes, poussé. qui sont vraiment dans la profondeur des sujets et qui permettent vraiment de développer des compétences qu'on peut mettre en pratique. Alors, tu as mentionné qu'il y a des vidéos, qu'il y a des scripts, qu'il y a des textes, des articles. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroulent ces formations? Je pense, avant de répondre à cette question, on a une petite question par rapport aux plateformes qui nous permettent d'avoir des attestations gratuites. Donc, celle de l'OMS, déjà, elle est totalement gratuite. Par contre, toutes les formations ne permettent pas d'avoir des attestations, des certificats. Mais la plupart donnent des attestations ou des certifications. Coursera, comme je vous ai dit, en cette période. Pluralsight. Après, je pense qu'il y a d'autres
d'autres plateformes dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Par exemple, France Université Numérique, qui est une plateforme française de MOOC. Et dans cette plateforme, on peut avoir aussi des certifications gratuites. Mais globalement, voilà, il y a aussi Udemy qui, pour certaines formations en ce moment, et je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a cette tendance que quand c'est le confinement, beaucoup de formations et de certifications sont devenues gratuites. Sinon, Mohamed, Pour le développement de la formation. très bien. Selon les plateformes, le déroulement se passe en plusieurs, c'est-à-dire en plusieurs séquences ou en plusieurs modules. Quand je vous dis Coursera, c'est des semaines, ça dépend de comment on appelle ça, mais en tout cas, l'enseignement est segmenté en parties. Et dans chaque partie, on aura différents types de contenu. Dans Coursera, comme je vous ai dit, l'expérience est plutôt complète. Donc, nous allons avoir des vidéos, nous allons avoir des articles à interagir avec. Des fois, c'est des enregistrements audio. Il y a du contenu qui est obligatoire pour passer le test. Il y en a qui ne le sont pas. À côté du contenu à consommer, il y a aussi des parties qui sont interactives. Donc, des fois, c'est des tests. Des fois, c'est des exercices. Et des fois, on nous demande de la rédaction. Et des fois, on nous demande aussi de lire et de rédiger ce que d'autres personnes écrivent. Donc, c'est des exercices de d'autres personnes. Et donc, tout ça permet de faire un peu le tour de la question de différentes manières. Et d'apprendre en avançant avec du contenu diversifié. Après, il y a d'autres plateformes qui proposent juste la vidéo du début jusqu'à la fin et un test à la fin pour avoir la certification. Donc voilà, ça dépend, mais globalement, il est très, c'est-à-dire, il est très simple de suivre le flux de la formation. Je vais vous montrer encore une fois. Ici. Donc, là, si vous voyez, je suis dans cette vidéo. Donc, en train de se jouer. Ensuite, je vais ici, je vais mettre suivant. Quand je finis, bien sûr, je vais mettre suivant. Voilà. Donc, ici, on me donne accès à un PDF que je peux lire en cliquant ici. Voilà, il y a un PDF qui est en train de se charger. Donc, je vais lire le PDF. Et ensuite, je vais revenir et cliquer suivant. Là, je ne me donne pas la main pour cliquer suivant. Je vais juste zapper par là. Et donc, je vais passer à l'élément suivant qui est. Là, c'est une image. Je vais regarder tout simplement. Après, je vais passer à la discussion. Donc, comme je vous ai dit, il y a une diversification du type de contenu. Ici, dans la discussion, c'est un type de forum où je peux intervenir, je peux discuter avec d'autres personnes, je peux répondre à des questions, poser mes questions à d'autres personnes pour me répondre. Voilà pour le déroulement. Je pense, Mohamed, s'il y a des questions sur ça. Alors, je suis en train de vérifier les commentaires, justement. Alors, un petit instant, Souleymane, s'il te plaît. Je crois pas qu'il y ait une question par rapport à ça. C'est Eh toujours bien, des. il y a quelqu'un, Mohamed, qui a dit en commentaire que Coursera n'est pas gratuit. En fait, l'accès à la plupart des formations est gratuit en temps normal. Et en cette période, j'ai bien dit que il y avait des formations qui étaient gratuites avec des certificats. Et je pense tout à l'heure, nous allons mettre le lien en commentaire pour comment y accéder. Comment accéder à ces formations qui sont gratuites en ce moment. Sinon, pour le reste, on peut juste visualiser le contenu, sans pour autant, pouvoir bénéficier de certification. Voilà, merci Souleymane. Alors, juste une petite remarque pour ceux
qui peuvent trouver des vidéos assez longues pour eux. Donc, vous pouvez utiliser l'option accélérée. Vous pouvez aussi trouver généralement les textes scriptés. Donc, tout ce qui est disponible sur la vidéo sont scriptés, n'est-ce pas, Suleyman? Oui, exactement. Donc, on peut accélérer, on peut regarder en plusieurs parties, on peut juste lire le contenu des vidéos. Donc, on a vraiment beaucoup d'options, beaucoup de choix. Voilà. D'accord. Alors, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous parler de quelques astuces pour faciliter notre apprentissage et obtenir ces certifications, justement? Très bien. Donc, du moment où on va investir du temps et de l'effort dans cet apprentissage, c'est bien de le faire de la bonne manière pour en tirer le maximum de profit. Donc pour ça, il y a quelques astuces. Par exemple, le fait de faire ça en groupe, donc ça peut être très utile et très bénéfique pour notre apprentissage de faire ça en groupe. Par exemple, vous êtes un groupe d'amis, 2, 3, 4 personnes. Et vous allez vous entendre sur une formation que vous allez faire en cette période ensemble. Ça vous permettra d'en discuter, ça vous permettra de répondre aux questions de vos amis et de leur poser aussi des questions. Et cette interaction et cette dynamique de groupe va aussi vous encourager à ne pas abandonner parce que malheureusement, on est tenté des fois de commencer comme ça des formations et d'abandonner au milieu, ce qui est quand même assez normal, mais le fait d'être en groupe permettra de maintenir une certaine dynamique, une sorte de challenge qui nous emmènera jusqu'au bout. On a une petite question sur la langue. Donc, en fait, toutes les formations ne sont pas en anglais, il y a des formations en français. La plupart sont en anglais, c'est pour ça que il est aussi utile de profiter de cette période pour améliorer son anglais. Mais il y a aussi du contenu en français, que ce soit dans Coursera, EDX ou la plateforme de l'OMS. À part le fait de faire ça en groupe, Mohamed, il y a un autre élément important, c'est de faire ça avec un programme. C'est-à-dire, si je sais que une formation va durer 6 heures, l'idéal c'est de la programmer pour 6 jours, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, et je ferai une heure par jour, par exemple. Le fait d'avoir un programme fixe et de ne pas consommer comme ça, par exemple, comme on regarde une série, on regarde pas forcément une série avec un programme, mais l'idéal c'est d'avoir un programme et de le faire avoir l'habitude de le faire régulièrement. Sinon, à part la programmation et le fait de faire ça en groupe, il faut pratiquer ce qu'on apprend. C'est très important. C'est vrai que certaines formations, les phrases sont vraiment pratiquées, mais à chaque fois que nous avons l'opportunité de mettre en pratique ce que nous allons apprendre, ça va nous permettre de fixer et de développer cet apprentissage en le rendant utile, en le rendant pratique. Après, le dernier truc, c'est en fait de suivre le contenu de la formation tel qu'il est, et c'est ne pas forcément sauter des parties. Là, par exemple, quand on a des vidéos, on va regarder que les vidéos, ne pas lire les textes ou les documents, là, ne pas faire les exercices. En général, ces formations sont développées pour être complètes, donc l'idéal, c'est de les suivre entièrement et de s'y engager totalement. Donc voilà, globalement, c'était quatre petites astuces pour bien profiter de cet apprentissage et pour tirer profit au maximum. En cette période de confinement. Ouais. Alors, merci Suleyman. Alors, juste pour résumer un petit peu la chose, il vous a dit que c'est bien de travailler en groupe pour s'automotiver, pour faire une sorte de challenge. Il faut aussi, il est bien plutôt, c'est pas il faut, il est bien de programmer ses formations et mettre en valeur ou en pratique vos acquis. Alors, nous avons parlé en gros des différentes plateformes. Alors, en résumé, Suleyman, Aoudhamna rapidement.
Donc voilà, ce dont on a parlé. Mais après, comme j'ai dit, il y en a plusieurs centaines. Hein, mais moi, aujourd'hui, j'ai accordé une attention particulière à la plateforme MOOC de l'OMS. Après, il y a aussi Coursera, EdX, qui sont les classiques. J'ai aussi parlé de Pluralsight, qui donne accès gratuitement à ces formations en ce mois d'avril. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez Non. toujours revoir ce live. Vous pouvez toujours revoir ce live après la fin de cette session, histoire de bien assimiler la chose. Sinon, On a une question, Mohamed. Il y a Farah qui nous demande si ces Non, plateformes, les formations sont purement formant. Donc, on parle de pharmaceutique. en fait, ça concerne un peu tout le monde. C'est très hétérogène et c'est destiné à tout le monde au final. Il y a des choses sur la pharmacie. Voilà, vous pouvez découvrir ça en les différentes plateformes. Une autre question, je crois que tu viens d'en parler. Est-ce que toutes les formations sont en anglais? Non, comme je l'ai dit, toutes les formations ne sont pas en anglais. Il y a des formations qui sont en français, il y a des formations qui sont en arabe, il y a dans toutes les langues, mais je dirais 95% des formations qu'il y a sont en anglais. Un autre commentaire qui dit que Coursera, c'est payant, isn't Non, for free. j'en ai parlé, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, non, il y a l'accès aux cours en temps normal il est gratuit. Donc, on peut visualiser les vidéos, on peut accéder au contenu sans pour autant pouvoir attester son apprentissage ou avoir une certification. Et là, en ce moment, il y a des certifications qui sont gratuites. Nous allons mettre le lien en commentaire tout à l'heure pour que les gens puissent y accéder. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, Suleyman. Il ne me reste qu'à te remercier, Suleyman Meza, président de l'association Médecins du Jazeera. Yatek Merci beaucoup à toi, Mohamed, et merci à Mérinal d'avoir voulu traiter cette question qui est très intéressante. Donc, pour finir, je vous invite à vraiment profiter de cette période et à profiter des opportunités qu'on a. Et voilà, à bientôt. Merci, Mohamed. Merci beaucoup, Suleyman. Merci, Mérinal, de nous avoir parmi vous. Et j'espère que vous allez profiter de ces informations et profiter bien de votre confinement. Alors, on se dit à très bientôt. Je suis Mohamed Boulayati, j'étais votre animateur. Salam alaikum.